Bonjour, comme vous pouvez voir, j'ai la chance d'avoir plein d'échantillons de protéines. Alors, tout ça pour vous dire que. C'est des nouvelles protéines. Hein. Ouais, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Vous pouvez pas en acheter, donc c'est pas la peine de me demander c'est quoi, c'est quoi? Vous pouvez pas au moins encore en acheter, donc c'est des nouvelles protéines. Donc, l'avantage que j'ai. De par mon métier, c'est que je peux tester le haut de gamme, pas la merdouille de base qu'à peu près tout le monde se procure. L'avantage, donc, c'est de décider de ce qui, dans le futur, va être commercialisé ou non. Donc, quand j'entends nouvelle protéine, c'est pas un vieux pot qui était vert qui est devenu bleu. Et puis qui a depuis 20 ans la même merdouille à l'intérieur, c'est vraiment des nouvelles protéines avec des nouveaux process de fabrication, de filtration, etc. Donc c'est vraiment des nouvelles protéines. Alors ce qui est bien, c'est que, parce que c'est bien de faire des recherches dans les études, etc. Mais c'est bien aussi d'être sur le terrain. Par exemple, sur les protéines, l'exemple classique que je donne, c'est que les études, elles expliquent que... La whey, ça coupe mieux l'appétit que la caséine. Alors je sais pas ce qu'ils ont pris comme protéine, mais je peux vous dire que la caséine coupe autrement mieux l'appétit que la whey. Surtout les nouvelles, là, t'as l'impression d'avoir avalé une brique, tellement ça te cale. Donc c'est une bonne chose au régime. En plus, c'est pour les études qui nous montrent qu'on sèche mieux à la whey qu'à la caséine, ça m'étonnerait. Parce que vu que la whey, donc on va avoir plus d'appétit, puis comme c'est un booster d'insuline, alors que la caséine, elle va te caler longtemps et elle augmente moins l'insuline, je vois pas comment ça pourrait faire la whey, comment pourrait faire sécher plus que de la caséine, mais bon. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de sortir un peu des études pour voir ce qui est vrai sur le terrain. Alors là, plein de protéines, alors il y en a des nouvelles. Alors, je peux toujours vous montrer, mais celle-là, je l'ai bien. Celle-là. Alors, ah, celle-là aussi, elle est bien entamée. Ça vous dira rien de. Alors, celle-là, j'ai pas encore testé. Celle-là non plus, mais il faut comparer, puis. À trouver la meilleure, et puis alors celle-là, c'est l'ancienne version. Donc maintenant, il va falloir trouver quelle est des nouvelles protéines, la meilleure de tout le tas pour remplacer l'ancienne. Maintenant qu'il y en a des nouvelles, autant que l'on avance avec ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc, bientôt des nouvelles protéines.